Non, on a fait une très bonne première mi-temps. On aurait dû aggraver le score dans nos temps forts. Voilà, on avait la capacité physique en première mi-temps de presser très haut, de les enquiquiner. On leur a pas permis de sortir le ballon, de jouer. On l'a bien utilisé par moment, et par moment on l'a moins bien utilisé parce qu'on aurait pu leur faire encore plus mal sur nos temps forts, comme je vous l'ai dit. Et on n'a pas su mettre le deuxième but en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on pensait qu'on avait encore les jambes pour aller presser, mais on aurait dû défendre beaucoup plus bas et laisser venir pour les contrer mieux. Mais on a décidé d'aller chercher haut et on a laissé trop d'espace. Et de Preville au milieu à qualité de dribble, nous a transpercé le petit Benramou, qui, quand il est rentré, nous a enquiquiné aussi. Voilà, ils ont des bons dribbleurs et quand ils ont de l'espace et qu'on avait un peu moins de jambes en deuxième mi-temps, on a beaucoup plus subi. Oui. Est-ce que vous retenez, Michel, quand même le positif, c'est-à-dire que vous débloquez compteur, que ce soit au niveau des buts, au niveau des points? Oui, non, mais on était venu pour gagner, hein. On était venu pour gagner ici, mais malheureusement, on n'a pas su le faire en première mi-temps, parce qu'on a eu les opportunités, je pense, pour faire le 2-0, et on l'a pas fait. Et puis, même en début de seconde mi-temps, on a une situation de contre où, sur un centre, on est mal positionné. C'est dommage, mais après, quand ils ont égalisé, ça a été compliqué aussi, parce qu'ils auraient pu aussi nous faire mal et nous planter aussi. Hein. La frustration, c'est celui d'encaisser avec une petite erreur Ouais, parce que sur une touche, dans leur camp, puis remise, ils mettent le ballon par-dessus. On n'est pas à la tombée du ballon, on fait une erreur technique. Et derrière, Maja, il a un peu de réussite, hein, parce qu'elle est contrée, après elle passe entre les jambes, elle passe entre les bras du gardien, en dessous le bras du gardien. Mais c'est le foot, hein. Ça, les buts, ça demande des erreurs. Ces deux buts qui, sans doute, vous agacent, celui de la semaine dernière, celui-là, c'est quasiment des cadeaux, quoi, que font les défenseurs. Ouais, mais bon, ça arrive. Hein, moi, j'étais défenseur, j'ai fait des gagades aussi. Hein. Ça arrive de faire des erreurs. Hein. Le foot, ça, c'est comme ça. Si on n'essayait pas d'erreur, il n'y aurait jamais de but. Hein. C'est le début du championnat. Vous voyez, quand c'est déjà où il faut travailler vraiment pour. Parce que bon, on ne va pas trop tirer d'entraînement, j'imagine, quand on a un coach d'une équipe comme ça. Non, il faut travailler dans tous les domaines, il faut qu'on s'améliore tout le temps, il faut chercher toujours à être meilleur, que ce soit physiquement, que ce soit techniquement, que ce soit tactiquement dans ce qu'on recherche. Après, il y a toujours un rapport de force avec un adversaire qui est en face, hein. Les matchs sont difficiles pour tout le monde, on le voit tous les week-ends, hein. Il n'y a pas de match facile. Tous les matchs sont compliqués et n'importe quelle équipe peut être mise en danger si on ne fait pas ce qu'il faut, si on ne met pas les ingrédients qu'il faut pour être performant. Est-ce qu'Andy vous a fait peur quand il a tenté son geste, qui au final a réussi, mais est-ce que vous êtes dit... Non, parce que bon, il y avait un défenseur qui arrivait aussi dans son dos. Il a fait le geste qu'il fallait pour marquer. Il a bien exécuté, il a bien mis. Ah, c'est jamais évident. De toute façon, pour marquer un but, il faut avoir la grinta, il faut faire le bon geste qu'il faut. Il a fait le geste qu'il fallait pour aujourd'hui pour la mettre au fond. La bonne nouvelle, c'est que ça marche toujours aussi bien les deux devant là. Ça, au moins, vous pouvez vous appuyer là-dessus. Oui, pas que eux. Ils contribuent bien sûr à finir nos actions. Et on fait de bonnes choses aussi dans la sortie du ballon, dans le pressing collectif. On a été très performant en première mi-temps, en deuxième mi-temps. C'est eux qui nous ont un peu plus bousculés, ils ont mis un peu plus d'intensité. Mais c'est un peu ma faute parce que j'avais décidé de continuer à presser haut, j'aurais dû défendre plus bas. J'étais trop gourmand. Un petit mot sur votre gardien de but, sa première, comment vous l'avez trouvé? Non, bien, il a eu quelques arrêts à faire sur des frappes lointaines, il a bien exécuté. Sur le but, il est un peu malheureux parce que ça cafouille et il passe sous le bras, mais je pense qu'on doit mieux défendre avant. Tout ce qu'il a fait, il l'a bien fait, une bonne sortie dans les pieds d'un. Ouais, sans jouer au pied, c'est bon. Et puis ça fait 2 jours qu'il est arrivé jeudi. Hein.
Il arrive jeudi, il joue. Non, il arrive mercredi, je dis bêtise. Mais il s'est entraîné jeudi avec nous, c'est tout. Jeudi, vendredi. Voilà, c'est. Non, mais c'était notre premier choix. On est très heureux de l'avoir avec nous. C'est un très bon gardien.